تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. الخامسة والدقيقة الخامسة باستوديوهات ميدي آن بطنجة. سلام الله عليكم مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات، إلى عاد جديد من برنامج استوديو الرياضة، موعدكم من نهاية كل أسبوع لتقريبكم من أبرز أهم وآخر الأحداث الرياضية. يسعدنا أن نرافقكم في هذه المساحة الزمنية. مخرج عدد اليوم زميلنا حمزة، أيضا زميلنا مصطفى في خدمتكم هنا في الأستوديو، زميلي محمد عميمي ومحدثكم الحسن جابري. عدد من المواضيع نتطرق له في عدد اليوم، أليس كذلك سي محمد؟ مساء الخير. مساء الخير حسن. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Médien. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce dimanche pour une heure de sport. Et tout le sport évidemment, a commencé par le football au Maroc et cette grande finale de la Coupe du Trône qui oppose à partir de demain l'Aïsfar, donc le club militaire à la recherche d'un 13e sacre dans ce prestigieux trophée, et bien sûr donc le Raja de Casablanca ou le Raja Athletic Club donc à la recherche d'un 9e sacre pour le rajouter donc à son palmarès. Il n'y a pas que le football Hassan, d'autres disciplines. On va parler aussi donc golf avec la qualification donc de Inès Lkhlelch pour les JO de Paris. Pour en parler, on va recevoir donc Mustapha Zine, vice-président de la Fédération Royale Marocaine de Golf. Il y aura aussi du judo avec la qualification de la championne marocaine Soumia Hirawi, sans oublier évidemment le tennis avec Wimbledon qui commence à partir donc de demain lundi, du cyclisme également Hassan avec le Tour de France. Deux coureurs français donc sont en avance par rapport donc aux autres favoris qui se sont présentés pour cette 111e boucle, grande boucle, et évidemment donc ce sont les sujets qu'on vous propose ce soir, ce dimanche. On est ensemble jusqu'à 18h pour parler sport évidemment avec vous cher Hassan Jabiri. والعنوان الأبرز في هذا العدد في المغرب، أيضا الحدث المنتظر غدا هناك بالملعب الكبير بأكادير، نهائي كأس العرش لموسم 22 و2023 بين فريقي الرجاء الرياضي والجيش الملكي، الفريقان الأبرز هذا الموسم على مستوى الأندية المغربية. الفريقان تنافسا حتى آخر رمق على نفس البطولة. فريق الرجاء كانت له السرعة القصوى وحسم اللقب لصالحه، سحب بساط التتويج من تحت أقدام فريق الجيش الملكي. الفريقان يجددان الموعد، يجددان التنافس على مستوى لقب الكأس. فريق الجيش من أجل تضميد جراح الفشل في التتويج باللقب البطولة والحفاظ على لقب البطولة، فيما الرجاء من أجل تتويج موسم مميز جدا حصد خلاله الفريق لقب البطولة من دون هزيمة، يسعى أن يواصل ذلك على مستوى لقب الكأس. الرجاء الطامح للقب تاسع في منافسة الكأس الفضية، فيما فريق الجيش الملكي يسعى لتعزيز رقمه القياسي من حيث عدد التتويجات باللقب إلى 13. أكيد هي مباراة منتظرة، عيننا خلالها سيكون مفادنا. إلى مدينة أكادير زميل علي صلاح الدين، أكيد لقاء مرتقب ومنتظر جدا سي محمد بين أفضل فريقين هذا الموسم على مستوى البطولة وعلى مستوى الكأس في المغرب. Tout à fait. Donc c'est un duel entre les deux ténors du football marocain. D'un côté le Raja donc qui veut donc poursuivre sur sa bonne lancée cette saison. Pourquoi pas en remportant donc un deuxième titre, celui donc de la Coupe du Trône. De l'autre côté donc l'Aïsfar donc qui n'a remporté aucun titre cette saison et veut surtout sauver sa saison en remportant donc ce 13e titre de la Coupe du Trône. Alors pour retracer donc un peu, on va dire, le parcours des deux clubs champions, avec nous Ali Salahdine, notre envoyé spécial depuis Agadir. Bonsoir Ali.
Donc on va rejoindre tout de suite Ali Salahdin Hassan. Alors c'est une finale donc qui s'annonce en pleine ferveur entre ces deux clubs marocains, donc à la recherche donc de ce trophée, ce prestigieux trophée de la Coupe du Trône, entre évidemment le Raja donc qui a bouclé l'exercice cette saison avec aucune défaite. C'est, on va dire, la meilleure défense affichée lors de la Botola Pro Inouï. Et d'un autre côté, donc l'Esfar qui a donc armé de son armada de joueurs talentueux et qui a quand même inscrit 65 buts cette saison. C'est la meilleure attaque prolifique donc de cette saison, Hassan. تماما فريق الجيش الملكي الطامح لإنقاذ موسمه صحيح أن تصل وتنافس على كل الألقاب أمر مميز، لكن أن تكتسب السرعة النهائية والتركيز في المرحلة الأخيرة هو الأهم، هو ما سيسعى لتحقيقه فريق الجيش الملكي قبل مغادرة مدرب التونسي نصر الدين نابي الذي ينتهي عقده مع الفريق مع متم الموسم. المدرب الذي سيرحل للتدريب في جنوب إفريقيا، أكيد الفريق الجيش يعني يتوفر على كل المقومات التي تمنحه التتويج باللقب، لكن في المقابل أيضا فريق الرجاء على أتم الجاهزية، أكد ذلك طيلة مساره في المنافسة، ولا أيضا حتى في مباراة نصف النهائي أمام مولودية وجدة الكل اعتقد بأنه فريق الرجاء سيكون في طريق سالك. صحيح وجد صعوبات من أجل التأهل، لكن وجد أيضا الزاد اللازم من أجل أنه يتجاوز تخلفه في المباراة. فريق مولودية وجدة تقدم في النتيجة، عاد فريق الرجاء وجد نفسه متخلفا. هنا تظهر قيمة وجودة اللاعبين الذين يتوفر عليهم فريق الرجاء، وأيضا قيمة المدرب الألماني جوزيف زينباور الذي غير صورة الرجاء هذا الموسم. الفريق اكتسب واستعاد شخصية البطل بلاعبين مميزين بقيادة الحارس أنس زنيتي، بالتشكيل الأساسي بالبدلاء، حتى أنه لاعب بديل ولاعب أساسي في فريق الرجاء، يعني بات الأمر ينتفي. كل من يدخل للملعب يقدم كل ما في جعبته. أكيد فريق الرجاء وجماهير فريق الرجاء تتوق لأن ترى يعني فريقها يتوج بالإزدواجية. أكيد نهائي مرتقب ومرتقب جدا في ظل المعطيات التي تجرى فيها المباراة. Tout à fait, Hassan, vous avez parlé donc de Zinbauer, l'entraîneur allemand, adepte du jeu offensif qui colle un peu, on va dire, avec l'identité du club donc casablancais qui a remporté donc le titre de championnat cette saison. Et pour en parler justement, Hassan, de cette grande finale de la Coupe du Trône entre le Raja et l'Isfar, on va recevoir avec nous notre envoyé spécial depuis Agadir, Ali Salahdin. Rebonsoir Ali. Rebonsoir Mohamed, bonsoir Hassan et à tous les auditeurs de médias ici depuis Agadir, la capitale de Sousse, qui est à moins de 24 heures de ce grand événement qu'est la finale de la Coupe du Trône entre le Raja et l'Isfar de Rabat. كي داير الجو في اكادير علي؟ مزيان مزيان، يفي بو ici à Agadir environ 27 degrés et un peu de grisaille, mais c'est plutôt clément globalement. Demain, il devrait y avoir le même temps entre 17 et 29 degrés comme température maximale. Un temps idéal, j'ai envie de dire, Hassan, pour jouer une finale ou un match de football, tout simplement. Donc, il n'y a pas de chaleur assommante, Ali. Alors, on va parler évidemment de l'ambiance qui règne dans la ville d'Agadir 24 heures avant le coup d'envoi de cette grande finale de la Coupe du Trône. Vous avez peut-être, Ali, détecté la présence de quelques supporters des deux clubs qui ont commencé donc à affluer vers la capitale du Sousse au milieu, on le sait, d'un déploiement sécuritaire donc d'envergure d'après les premières images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, Ali.
Effectivement, il y aura du monde demain au grand stade de Kadir. Il y a de quoi aujourd'hui en allant récupérer l'accréditation pour assister à cette finale entre les deux équipes. On a vu quelques drapeaux verts, quelques drapeaux de l'AS Phare. Ça arrive tout doucement ici du côté d'Agadir. On imagine que les déplacements se feront en masse demain à l'heure du match, un peu plus tôt dans la matinée, puisque la ville d'Agadir se trouve à environ 4 heures de Casablanca. Ça sera pas très loin également de Rabat. En tout cas, aujourd'hui, ça commence doucement, mais il y a quand même une ambiance qui commence à s'installer également du côté des journalistes. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler avec quelques confrères qui sont très excités à l'idée de voir cette rencontre. Et bien sûr, il y a un doute concernant le vainqueur final, puisque comme on va en parler au cours de ces minutes qui vont défiler dans notre émission Studio Sport, eh bien l'indécision est totale, puisque les deux équipes ont survolé le championnat et n'ont pas réussi à se départager lors de la double confrontation cette saison. Tout à fait, donc parlons justement des pronostics. Qui entre le Raja et l'AS Phare Ahly va avoir donc la faveur des pronostics? On sait que le club casablancais en quête d'un doublé Coupe Botola pour clore donc cette exceptionnelle saison. Les militaires d'un autre côté en rend à cœur donc de se racheter après, on le sait, la déconvenue en championnat qui les a vus donc lâcher un titre qui leur tenait pourtant les bras lors de des dernières donc journées de la Botola Pro Inui. Alors, question très simple et directe à Ali, qui a la faveur des pronostics d'après vous? Eh bien, c'est très partagé au niveau des pronostics, mais au niveau confiance, c'est sûr que le Raja de Casablanca aborde ce match avec plus de sérénité après avoir décroché cette fameuse Botola Pro sans la moindre défaite. C'est une prestation qu'on n'avait pas encore vue auparavant, une prestation qui a bien sûr permis à cette équipe du Raja de Casablanca d'entrer dans une autre dimension. Et d'autre part, eh bien, l'AS Phare de Rabat a bien sûr reçu un coup au moral après s'être fait doubler lors des derniers mètres de cette Botola Pro. L'équipe qui a longtemps été en tête du championnat, c'est bien sûr un peu mélanger les pinceaux contre l'équipe du Maghreb de Tétouan, au moment où le Raja a continué son sprint final pour s'adjuger son 13e titre de champion du Maroc. La confiance est du côté du Raja, l'envie de retrouver un nouveau titre est du côté de l'AS Phare de Rabat, le club le plus titré de cette Coupe du Trône, bien sûr, aura à cœur de s'imposer face au Raja de Casablanca. Le Raja qui ne s'est pas vraiment rassuré en demi-finale face à l'équipe du Mouloudia d'Oujda. C'était une demi-finale, bien sûr, à rebondissement. Il y a eu du suspense et des buts. Le Raja a même frôlé l'élimination dans ce match. Mais cette mentalité de vainqueur qu'a instauré Joseph Zimbauer a permis au Vert de s'imposer et de s'inviter en finale grâce notamment à ses hommes forts de la saison, avec bien sûr Bougrine et Nofel Zarouni qui ont notamment marqué un doublé. Youssef Bouzour, le meilleur buteur du championnat marocain également. Adam Nefati, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et qui seront très attendus. Demain, on ne devrait pas avoir énormément de changements. Joseph Zimbauer va concocter un 11 idéal pour cette finale face à l'AS Phare de Rabat, qui de son côté a repris confiance après avoir perdu ce titre en championnat. Une victoire 2-0 face au MAS de Fès en demi-finale pour retrouver des couleurs et penser à cette finale. L'équipe de l'AS Phare de Rabat qui de son côté a bien géré les moments clés face au MAS de Fès et aurait même pu s'imposer sur un score plus large, mais l'essentiel est là pour l'équipe de Nasreddin Nabi qui tentera de s'imposer face au Raja de Casablanca. On le sait, l'équipe des Phares de Rabat, la plus titrée de l'histoire de la compétition, et qui l'a remporté il y a tout juste 2 ans face au Maghreb de Tétouan, justement dans ce grand stade d'Agadir. النهائي اللي كان حضر ليه علي وقام تغطيته للميديا، وهذا هو السؤال المقبل
ديالي علي، حضرتي نهائي تتويج فريق الجيش الملكي أمام المغرب التطواني، في تقديرك الأمور اللي كتصنع ربما الفارق في مباراة نهائية، الضغط، ضغط الجماهير، ضغط أيضا التتويج باللقب، يعني وانت كتعيش نهائي آخر يعني كمتتبع يعني الوسيلة الإعلامية، الشعور اللي كيحس به متتبع النهائي ويعني بالضغط دياله أيضا، لأنه حتى الصحفي كيكون عليه ضغط أنه ينقل المباراة وينقل أيضا تفاصيل المباراة عليه. Effectivement, Hassan, c'est complètement différent lors d'une finale. On ne sait pas qui va forcément gagner avant le coup d'envoi de la rencontre. Si on devait parler de cette édition emportée par l'AS Far face au Maghreb de Tétouan, il y avait plus de sérénité côté AS Far face au Maghreb de Tétouan, qui avait pourtant réalisé un joli parcours avant d'arriver en finale. Mais on sentait qu'il y avait un avantage pour l'équipe de Rabat, qui a en plus de ça bénéficié d'une supériorité numérique dès le coup d'envoi de ce match qui lui a permis de s'imposer 3-0. C'était une finale où on s'attendait à plus de suspense. On n'a pas été servi malheureusement avec ces faits de jeu qui ont permis à l'AS Far de briller, de survoler cette finale. Demain, ça sera forcément différent. On espère qu'il n'y ait pas de faits de jeu qui pourraient plomber la finale. Mais en tout cas, de ce qui se dégage dès maintenant, avant le coup d'envoi de ce match, c'est que ça a l'air très indécis entre deux formations qui, comme on l'a souligné Hassan tout à l'heure, ne se sont pas départagées en championnat, et il est difficile de rêver d'une meilleure finale pour cette année. Tout à fait Ali, donc, et certainement Hassan et Ali, donc c'est l'état d'esprit qui va l'emporter finalement entre le Raja Athletic Club et l'AS Far. Le Raja d'un côté qui a montré un bon état d'esprit cette saison avec la clôture de cette saison sans aucune défaite encaissée. De l'autre, l'AS Far donc va pouvoir déployer tous les efforts pour sauver sa saison et remporter pourquoi pas le 13e titre de son palmarès de la Coupe du Trône. Le spectacle donc sera certainement Ali au rendez-vous dans cette finale qui s'annonce très relevée entre deux équipes phares du football national. وبين ايضا مدربين اجنبيين. الجميل هو اننا نرى الانديه المغربيه تستقدم مدربين بقيمه مضافه كبيره. لاحظنا كيف انه نصر الدين نبي اعاد الانضباط، اعاد هذه الصوره الجميله للفريق الجيش الملكي في مبارياته. لاحظنا اللعب الهجومي بدليل أنه الفريق أنهى البطولة الاحترافية كأفضل خط هجوم. بالمقابل لاحظنا أيضا فريق الرجاء بإمتاع أكبر على مستوى الأداء، وهو المعروف على فريق الرجاء. جميل علي أنه نرى في أنديتنا المغربية تستخدم مدربين بهذا القيمة، وأن نرى هذا يعني التنافس بين فريقين بمدربين أجنبيين بقيمة مضافة، نراهما أيضا في نهائي كأس. صحيح هو صراع بين الجيش والرجاء، ولكن بين فكر تكتيكي لمدرب أجنبي بجنسية ألمانية جوزيف زين باور، وأيضا المدرب التونسي نصر الدين نابي بخبرته الكبيرة إفريقيا وأيضا في بلجيكا. علي Tout à fait Hassan, en parlant de Joseph Zinbauer qui est arrivé avec de nouvelles idées, avait dans un groupe du Raja de Casablanca qui était en pleine reconstruction. On a pu admirer la touche du technicien qui est arrivé à la tête du Raja de Casablanca. Le bloc est haut, on a vu que l'équipe presse très haut, elle arrive à récupérer des ballons et pourquoi pas mettre déjà en danger l'adversaire. Elle se retrouve souvent dans la surface de réparation adverse. D'un autre côté, elle laisse des espaces derrière, comme on l'a pu le voir face à l'équipe du Mouloudia Doujda, qui a su en profiter en inscrivant trois buts, même s'il y en a eu un qui a été inscrit sur pénalty. Mais en tout cas, c'est une marque de fabrique qui s'est installée du côté du Raja de Casablanca. On a vu qu'au fil des matchs, l'intention et la philosophie de Joseph Zinbauer a pu être mise en lumière. On sait comment
le style Raja de Casablanca se développe cette saison. On a pu admirer les rencontres du champion du Maroc, alors qu'en face, Nasser Din Nabi, c'est plutôt un bloc assez solide qui réussit à contrer les assauts adverses afin de vite aller de l'avant, essayer de trouver Ahmed Hamoudane ou encore Zahzouh, qui réalise une très bonne saison cette année. En tout cas, le retour également de Warhan, qui a été très attendu par Nasser Din Nabi, il s'en est d'ailleurs plein au cours de la conférence de presse. Il est revenu face au Mas de Fès. Il a été précieux pour l'entrejeu et bien sûr les transitions avec les attaquants. Ça a permis à Nasser Din Nabi d'être plus à l'aise dans son système de jeu. En tout cas, c'est une opposition de style, c'est clair, avec deux équipes qui ont survolé le championnat. Ça pourrait donner lieu à peut-être un scénario qu'on n'avait pas vu auparavant en championnat, puisque demain, il y aura un vainqueur et un perdant. تماما علي, المباراة لا تقبل القسمة على الاثنين, يجب أن يكون هناك منتصر ويجب أن يكون هناك منهزم. الأهم هو أن تنتصر الروح الرياضية بين اللاعبين على أرضية الملعب وبين الجماهير, أن تتحلى بالصورة بالروح الرياضية بصورة جميلة, أن نسوق هذا المنتوج الكروي بين أفضل فريقين مغربيين على النحو الأمثل, أن تتحلى الجماهير, أن نصفق للفريق الفائز, أن نتمنى حظا أوفر ونشد على يد الفريق المنهزم. اللقاء للإشارة سيديره الحكم الدولي رضوان جيد, ستكون ربما آخر مباراة لرضوان جيد قبل التقاعد بعد بلوغ السن القانوني لتقاعد الحكام. شكرا علي, ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. أنت عيننا في لقاء الغد بين الجيش الملكي وفريق الرجاء في نهائي كأس العرش لموسم 22 و2023. Merci beaucoup Hassan, merci à Mohamed, et bien sûr on tiendra au courant de tous les développements de cette finale qui on l'espère sera attractive, explosive, avec des buts et un joli champion pour cette édition de la Coupe du Trône. Merci en tout cas Ali, notre envoyé spécial depuis Agadir, qui va suivre pour nous cette grande finale de la Coupe du Trône entre l'Aïsfar, le club le plus titré de l'histoire de la Coupe du Trône, et le Raja Athletic Club, à la recherche d'un 9e sacre en Coupe du Trône. Il est temps donc, Hassan, de parler d'une autre compétition, évidemment l'Euro 2024 qui se poursuit en Allemagne. Hier, il y avait beaucoup de surprises. La première surprise, c'est l'élimination donc très amère de l'Italie. L'Italie tenante du titre, qui n'a pas trouvé, donc on va dire, les ressources pour batailler contre une équipe très coriace de la Suisse. D'un autre côté, l'Allemagne poursuit donc son sans faute dans cet Euro, avec une qualification pour les quarts de finale, avec un probable choc contre l'Espagne. L'Allemagne donc qui s'est imposée 2-0 contre le Danemark. Alors cette équipe allemande, on va dire, est-elle favorite pour le sacre final? Va-t-elle pouvoir donc décrocher le titre? On écoute donc cette analyse de Geoffroy Garitier, il est consultant à Canal+. Presque par instant enthousiasmant. Et si à la fin, c'était à nouveau les Allemands qui gagnaient? C'est ça la question, en fait, qu'on se pose depuis le début de cet Euro. Ce qu'on voit, c'est que cette victoire, dont évidemment, elle est statistiquement méritée. On regarde le tableau de bord, les Allemands ont eu la possession, plus de tirs, beaucoup plus de tirs cadrés. En XG, pareil, c'est les buts que vous auriez dû marquer, il y a un net écart. Donc, rien à dire, même si on rappellera quand même que ça s'est joué sur une petite séquence de 2 minutes, avec un but refusé aux Danois pour un hors-jeu d'1 centimètre de Delaney, avant que les Allemands ne marquent le pénalty sur une vérification de l'arbitrage vidéo, avec une main d'un défenseur danois et ce pénalty de Havertz. Mais dans l'ensemble, si on prend la photo globale, on a retrouvé une bonne Allemagne, peut-être même bientôt une grande Allemagne, avec au moins un joueur très fort à chaque ligne, que ce soit Neuer, Rüdiger extraordinaire
Rudiger, qui était avant juste un destructeur, qui est devenu aujourd'hui presque un leader de jeu, avec qui a été l'homme du match d'ailleurs, avec un jeu long formidable. En fait, ce joueur au Real Madrid a progressé de manière stupéfiante, avec évidemment le maestro Toni Kroos au milieu qui s'est régalé, des joueurs comme Musiala, etc. Bref, une excellente Allemagne. On salive déjà d'un probable quart de finale contre l'Espagne le 5 juillet à Stuttgart. Et les huitièmes de finale se poursuivent donc ce dimanche avec l'Angleterre, Slovaquie, Espagne, Géorgie à partir de 20h. Et évidemment, votre émission Studio Sport se poursuit jusqu'à 18h. On se retrouve après le flash d'informations présenté par Eva Cohen. الخامسة ودقيقة الرابعة والثلاثون باستوديوهات ميدي أم بطنجة، نجدد الترحاب بكم مستمعينا بكل من يلتحق بنا إلى الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة بعد الجزء الأول الذي خصصناه تقريبا بالكامل للحديث عن الحدث غدا، نهائي كأس العرش لموسم 22 و2023 و2000 بين فريقي الرجاء الرياضي والجيش الملكي، نهائي كأس العرش لكرة القدم على ملعب أكادير الكبير بداية من الخامسة عصرا. الرجاء الذي يسعى لتتويج بلقبه التاسع في مسابقة الكأس الفضية، فيما يبحث فريق الجيش الملكي عن رفع عدد ألقابه إلى 13 وتعزيز رقمه القياسي كأكثر من توج باللقب. تحدثنا أيضا عن المفاجآت في كأس أمم أوروبا، إقصاء المنتخب الإيطالي، المفاجأة حتى الآن في لقاء هذا الدور ربع الثمن النهائي الآخر بين إنجلترا وسلوفاكيا، منتخب إنجلترا منهزم حتى حدود الدقيقة 35 بهدف لصفر. هل ستتأكد مجددا والمفاجآت في هذه الدورة، أم أن الفريق الإنجليزي تحت إمارة الناخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت سيصحح الأمور ويقلب النتيجة فيما تبقى من وقت اللقاء الآخر مساء اليوم عن دور ثمن النهائي إسبانيا ضد منتخب جورجيا؟ نفتح اللحظة ملف الأبطال المغاربة الذين سيمثلون المغرب في منافسة الألعاب الأولمبية، تقترب ويقترب وقت تحديد اللائحة النهائية للأبطال المغاربة الذين سيمثلون المغرب، ومن بين البطلات اللواتي سيحضرن لحمل راية المغرب في الأولمبياد لاعبة الغولف إناس القلالش التي تبصم على موسم مميز الموسم الماضي، وأيضا هذا الموسم تتوجه بتأهل تاريخي لها للألعاب الأولمبية في ثالث نسخة يعود وتعود فيها رياضة الغولف إلى خانة الرياضات الأولمبية. محمد tout à fait Hassan. Inès Lecléluche avance à pas sûr vers donc un grand exploit, pourquoi pas une médaille d'or au JO de Paris, la meilleure golfeuse au Maroc jusqu'à présent. Inès Lecléluche donc a composté son ticket pour les JO de Paris où elle va représenter donc le Maroc pour la troisième fois consécutive lors de la compétition olympique de golf, où seuls 33 pays dont deux Africains ont le privilège de participer à cette grande manifestation sportive. Inès Lecléluche Hassan prendra donc part au tournoi de golf qui aura lieu du 7 au 10 août au golf national en banlieue parisienne. On écoute Mustapha Zine. Mustapha Zine, il est le vice-président délégué de la Fédération royale marocaine de golf et qui a donc réagi par rapport à cette qualification de la golfeuse marocaine Inès Lecléluche. On écoute Mustapha Zine au micro de Média. La qualification d'Inès Lecléluche n'est pas une surprise. D'abord, cette performance est largement méritée parce qu'Inès, dès son jeune âge, s'est toujours entraînée pour ce sport comme une pro. Elle s'entraîne comme une pro avec des coachs, avec l'aide de ses parents au début. Et à partir d'un certain moment, il a commencé à gagner des compétitions au Maroc et est allé jouer en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique. Et elle a toujours eu de bons résultats. N'oubliez pas qu'elle a remporté l'Open de France à Vichy l'année dernière. Comme vous le savez, la Fédération royale marocaine de golf accompagne les golfeurs dès leur jeune âge, mettant à leur disposition des entraîneurs et des coachs mentaux. Et sur instruction de notre président,
Sénatesse royale, le prince Mouni Rachid, la Fédération royale marocaine de golf a ouvert la porte à tous les jeunes golfeurs doués et a encouragé tous les clubs à sélectionner les meilleurs pour former les futurs champions. Je vous rappelle qu'à Tokyo, en 2020, Mahad Dioui a déjà été qualifié pour les Jeux olympiques. Inès ne fait que suivre son aîné et d'autres joueuses sont en formation et se font déjà distinguer dans les compétitions dans les quatre continents. Voilà, c'était donc Mustapha Zin Hassan, vice-président délégué de la Fédération Royale Marocaine de Golf, et parlant justement de la Fédération Royale Marocaine de Golf qui fait donc un travail ou qui est en train d'effectuer un travail de fond pour justement accompagner et former les jeunes golfeurs pour l'avenir proche. Inès Lkhlelch, donc on le rappelle, est la première Marocaine arabe et nord-africaine à remporter le Lacoste Ladies Open de France en 2022. Inès a aussi intégré le prestigieux LPGA Tour. Elle a représenté donc le Maroc dans divers championnats internationaux et a étudié surtout, on va souligner ça, aux États-Unis et au Royaume-Uni avant de se consacrer évidemment au golf professionnel où elle avance à pas sûr donc pour devenir une très grande championne. On va suivre évidemment Inès Lkhlelch lors du tournoi غولفيك او جيو دو باريس حسن. تماما, موسم مميز ايضا على مستوى جائزه الاميره ليلى مريم. في نسخه هذا الموسم كانت احتلت المركز الخامس ونفست على اللقب حتى اخر اللحظات, حققت ابرز نتيجه للاعبه مغربيه في تاريخ مشاركات اللاعبات المغربيات. تابعناها عن قرب, انا مخرج عدد اليوم زميلنا حمزه, يعني لاعبه يعني بهدوء كبير, وهو الامر المطلوب في رياضة الغولف, وكانت واثقة من يعني تأهلها, لكن أيضا بالعمل الذي أنجزته طيلة هذا الموسم تستحق أن تتواجد في دورة رياضة الغولف بألعاب باريس الأولمبية لتكون ثاني لاعبة مغربية تشارك في بطولة الغولف الألعاب الأولمبية بعد عودة الغولف للألعاب الأولمبية بعد مهل حديوية التي شاركت في آخر نسختين في ريو دي جانيرو في البرازيل والنسخة الأخيرة في طوكيو. بتوفيق أكيد إناس لقلالش, بتوفيق أيضا للاعبة الجودو المغربية البطلة المغربية سومية إيراوية التي ستكون أحد ممثلات المغرب في الألعاب الأولمبية في رياضة الجودو إذا كانت إناس القلاس ستشارك للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية في رياضة الغولف. بالمقابل سمية إيراوي ستشارك للمرة الثانية في الألعاب الأولمبية بعدما شاركت في أولمبياد طوكيو, تمكنت من التأهل للألعاب الأولمبية بالأساس بعد فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمصر. عن تأهلها الألعاب الأولمبية نستمع لسمية إيراوي. احنا عندنا في الجودو كاين جوج ديال لي كاليفيكاسيون, اما كاليفيكاسيون بالكلاسمون اولمبيك خاصك تكون ما بين 18 الاولين في العالم, اولا بالكوطا القاريه اللي عندها حتى هي لي كريتير ديالها. وهادشي كامل كيتم عبر مشاركات العديد من البطولات الدوليه اللي كتخول لك انك تربح نقاط على حسب البيرفورمانس اللي درتي. باش انك تكون ضمن هذوك ال 18 الاوائل خاصك تشارك بطولات عالمية وتستطع أنك تربح إما ديتو أو لا تكون في البوديوم. وبالنسبة لتأهل ديالي فهو جاء عبر تصنيف الأولمبي, فالحمد لله قدرت أنني ندخل ما بين 18 الأولين, والمركز ديالي حاليا هو 15, وهذه جاء بفضل عدة محطات اللي درتهم وكانوا الحمد لله موفقة وعطوني العديد من النقاط اللي خلوني في هذه المركزات. ومن بين آخر المحطات سمية كانت بطولة إفريقيا التي أقيمت مؤخرا بمصر, وخلالها تمكنت من الحفاظ على اللقب الإفريقي في وزن أقل من 52 كيلوغرام. كيف كانت المنافسة والطريق نحو التتويج باللقب؟ صراحة كانت هاد السنة دي شوية صعبة عليا, بحيث أنه كان عندي عدة إصابات اللي جاءوا في وقت اللي حالي شي شوية, فالحمد لله كان عندي صراحة شوية ديال ستريس,
كان عندي الجنود ديالي ماشي 100% واجد مزيان، ولكن كنت محتاجه هذيك 700 بوان ديال الشامبيون دافريك اكثر من لو تيتغ. فانا الحمد لله شامبيون دافريك 4 مرات هذا العام، رغم انني محتاجه لو تيتغ كنت محتاجه لهذوك لي بوان اللي غادي يعززوا التصنيف ديالي واللي غادي يخليوني انني نضمن بشكل قوي التاهل ديالي. فالحمد لله لا كومبيتيسيون ديال لافريك اللي كانت في مصر ما دازت كما كنت باغا انا 100%، ولكن الهدف وصلنا ليه الحمد لله، وقدرت انني نحافظ على اللقب ديالي. فمن بعد البطولة ديال إفريقيا اللي كانت عندنا في المغرب السنة الفايتة في 2023، الحمد لله كنت مرتاحة في الكلاسمون، ولكن هذه جات غير أكدت أنني صافي الحمد لله تأهلت عبر التصنيف، ماشي غادي نتسنى الكوتا ولا الحمد لله غادي ندوز بالتصنيف. والأهم تحقق بالنسبة لك سمية كما ذكرتي بأن الهدف الأساسي كان هو البحث عن النقاط المتبقية لك من أجل ضمان التأهل للألعاب الأولمبية، في ظل الصعوبات في ظل الإصابة اللي كنتي كتعاني منها في الركبة كما ذكرتي سابقا، كيف كان التحضير للبطولة بالأساس ذهنيا، التعامل مع ضغط النتيجة وتدبير كل هاد الصعوبات اللي تحدثتي عليها؟ الحقيقة كانت البريباراسيون مونتال كثر من أي حاجة أخرى. في هذيك البريود ما كنتش نقدر ندير نتريني جودو 100%، كنت كندير جودو ولكن ديما بتخوف أنني نزيد نأبيمي الجونو ديالي ولا نزيد نوعتها ولا نتوعت في بلاصة أخرى. فكانوا صعوبات صراحة في هذيك البريباراسيون، ولكن الحمد لله كانت واحد لومبيونس مع لو جروب مع ليكيب ناسيونال، كنا كاملين يد وحدة. فداكشي اللي كنت محتاجة أكثر من هو فيزيك أو تكنيك كان هذاك لو سيبور ديال ليكيب اللي معايا وديال صحابي ولي زونترينور اللي معايا، كان نقدر نقول انه عوض داك النقص اللي مثلا ما بريباريتش مزيان فيزيكمون، ولكن ليسخي ديالي والمونتال ديالي كان واجد، كنت مزيانه كنت قادره انني نلعب ولو انني ماشي في لا فورم ديالي. فالبريباراسيون ما كانتش سهله، انما الحمد لله قدرنا اننا نوصلوا لوبجيكتيف اللي كان هو ميدالي دور في افريقيا. التاهل الان تحقق وايضا ميداليه ذهبيه ومحافظه على اللقب الافريقي. نرجعوا للتجربه الاولى لمشاركتك في اولمبياد طوكيو بكل الظروف التي احاطت هذه النسخه من الالعاب، تاجيل الالعاب لسنه كامله والظروف الاحترازيه التي رافقت اجراء هذه النسخه من الاولمبياد لتفادي انتشار فيروس كورونا. كيفاش عشتي هذه التجربه الاولمبيه الأولى ليك؟ صراحة التجربة ديال طوكيو كانت مزيانة بزاف حقيقة، الظروف اللي وجدنا فيها لطوكيو وحتى كيفاش جا التأهل ديالي، فأنا طوكيو تأهلت غير بالكوتا القارية. يعني لكن واحد الفرق أنك تكون أهل بالكوتا أو تكون أهل بالكلاسمون، لكن كان فرق كبير صراحة. وحتى في طوكيو كما قلت حتى أنت الظروف كانوا شوية صعب، فما كناش قادرين ترينيو مزيان، كانوا التعليمات ديال السلامة وديال حتى تأجيل الألعاب لسنة كاملة. سنة كاملة وأنت تنتظر متى ستقام الألعاب أكيد يؤثر نفسيا بيان سور. وأصلا حتى في واحد الوقيتة ما كنتيش كتسنى واش زعما عام عادة تلعب، لا كنتي كتسنى واش غادي تلعب أو لا. لا أصلا كان هناك شك واش غادي داروا ولا لا، من بعد عاد قالوا لا راه غادي صافي غادي اجلوا عام. فكانوا بزاف ديال المشاكل، وحتى الجو ديال الالعاب الاولمبيه فكان غائب جدا صراحه. مشيت انا لطوكيو حسيت بها كانها بطوله ديال الجودو عاديه، زعما ما كانش هذاك ليسبري اولمبيك الا بغينا نقولوا. فالحاجه الوحيده اللي كانت مغيره بالنسبة لي هي أنه لا راه بصح هادو لي جو، وفهمتي كان هذاك الضغط ديال لا راه غير كل 4 سنين فين غادي يتقام هاد لا كومبيتيسيون هذا. فالاستعداد ما كانش زعما بحال هاد السنة هادي، ولكن الحاجة الوحيدة اللي كانت مزيانة هي أنني كنت موتيفي 100%، وكانت بالنسبة لي أنها تجربة اللي نستغلها ونستفد منها ونتعلم منها لو ماكسيموم. فالفرق بينها وبين باري، فباري ما كاينش هادشي، ديجا عندي ليكسبيريونس الحمد لله الكافية اللي تخليني نربح ماتش باغ ماتش، عندي بوتيتغ لا ماتوريتي باش أنني نجيري لا كومبيتيسيون ككل.
عاوتاني كاين فرق كبير بين اليابان وفرنسا لا بالنسبه ديال الجمهور لا بالنسبه لبزاف الحوايج كاين فرق. يعني ما يمكنش نديرو مقارنه بين لي جو ديال طوكيو ولي جو ديال باري. فانا متفائله بزاف بباري وان شاء الله ان شاء الله يكون خير في هاد لي جو اولمبيك هادو ان شاء الله. وأكيد نتمنى التوفيق لسمية إيراوي في ألعاب باريس الأولمبية ممثلة للجودو المغربي، ستكون أحد اسمين سيمثلان الجودو المغربي في ألعاب طوكيو أو ألعاب باريس الأولمبية، بالإضافة لسمية إيراوي سيكون التعويل على البطل المغربي الآخر عبد الرحمن بوسحيتا في رياضة الجودو. أكيد رياضات أخرى ستكون ممثلة. نتمنى التوفيق لكل الأبطال المغاربة في الألعاب الأولمبية. Et on change de discipline, Hassan, pour parler tennis avec Wimbledon qui commencera demain, lundi, ce prestigieux tournoi Wimbledon dans sa 137e édition qui va démarrer donc sur le gazon anglais de Londres avec certains favoris qui se détachent chez les hommes comme chez les femmes. Les deux premiers majeurs de l'année ont sacré Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, les deux jeunes prodiges du tennis mondial. Ces succès montre évidemment donc la passation de pouvoir entre l'ancienne et la nouvelle génération. Cette édition s'annonce disputée entre l'Italien évidemment et l'Espagnol, vainqueur du dernier Wimbledon, mais également avec la présence de Novak Djokovic qui a remporté 4 des 5 ultimes grands chelems ici à Londres pour un total de 7 succès. La compétition est organisée, on le sait, par le club de tennis All England Law Tennis, un de Croquet Club. Alors, on va prendre un petit angle pour parler des bons serveurs du tennis mondial. Hassan, bien servir, donc on le sait, c'est avoir de bonnes premières balles, bien placées, puissantes et rapides. Les joueurs les plus grands ont souvent des services imparables, mais d'autres joueurs s'en sortent aussi. Voici les plus grands serveurs de l'histoire du tennis, retracés par Abdelrahman Mundir, capitaine du Maroc en Coupe Davis. Abdelrahman Mundir répond à Abdelrahim Mundir, capitaine du Maroc en Coupe Davis, et qui répond à Hakim Tamim. À chaque approche de Wimbledon, tout le monde du tennis se pose la même question, parce qu'on a toujours eu ce problème: comment contrer les grands serveurs? Parce qu'à une époque, on a eu bien sûr Karlovic, il n'y a pas si longtemps, il vient de prendre sa retraite, il détenait le record du monde en termes d'ace dans un match. Il a été battu par Raonic. Raonic, au quiz, il a fait quand même quelque chose comme 47 ace pendant un match. Il a battu le record de Karlovic. Et à une époque, on avait Isner, on avait Sampras, on avait Ivasinevic qui était un monstre du service. Aujourd'hui, les trois, allez, on va citer juste quelques-uns, mais Hurkacz fait partie aujourd'hui des serveurs hors normes. Lui, Draper, l'anglais qui a fait un grand tournoi, qui a gagné Stuttgart sur gazon. Et bien sûr, Raonic, comme je l'ai cité tout à l'heure. Alors aujourd'hui, tout le monde se pose la question, c'est comment contrer ces joueurs. Alors oui, alors si on fait simple, on va vous dire, c'est Hakim, oui, il faut le retour, on doit regarder le lancer de la balle au niveau du service de l'adversaire. S'il lance à droite, il va servir slicé. S'il lance au milieu, il va jouer à plat ou lifté. S'il à plat ou légèrement lifté, s'il lance derrière sa tête, il va lifter la balle. Alors ça, c'est du classique. Après, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est très, très difficile. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus facile pour les joueurs ou leurs entraîneurs, parce que quand on va consulter les statistiques, on va consulter les papiers de chaque match, on peut se faire une idée. Si on prend n'importe quel joueur, on va savoir combien de pourcentage sur première il sert à droite ou au milieu à gauche, combien de pourcentage de balles il sert sur sa deuxième à droite, au milieu ou à gauche. Donc on a des statistiques sur lesquelles on peut se baser pour mieux retourner. Et si on va dans l'histoire, allez, je vais vous sortir juste une histoire, un conseil parmi des milliers que j'ai appris, que j'ai écouté. Par exemple, un joueur forgé, quand tu jouais les grands gauchers qui servaient slicé côté avantage pour sortir l'adversaire, ben il a dit qu'est-ce que je faisais au niveau du retour pour les obliger à faire autrement, c'est que je me mettais carrément
du côté couloir pour les obliger à servir sur le T et par l'occasion servir sur mon revers, moi qui suis gaucher. Donc, c'est parmi les particularités. Alors maintenant, je vais vous donner, alors là, par contre, ça, c'est le summum de l'intelligence des joueurs concernant Agassi. Agassi, il a joué dans la génération, bien sûr, de Nadal, mais il a surtout joué dans la génération de notre ami Becker. Becker qui a gagné 3 fois Wimbledon, même il a commencé à 17 ans. Il faisait partie, il fait encore partie des meilleurs serveurs au monde. Alors, il dit comment le contrer parce que j'arrivais pas à le retourner. Je prenais, à chaque fois que je le jouais, je prenais des tôles, je regardais la balle et par miracle, il baissait un peu de régime. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché avec mon entourage, avec son entraîneur Moutier. Ils ont découvert que Becker, quand il allait servir, eh ben, s'il regardait, il se contentait sur sa bouche. Alors, quand tu voyais la langue de Becker légèrement penchée sur le côté droit de sa bouche, il était sûr qu'il allait lui servir le revers. Et quand tu voyais sa langue au milieu, sortir au milieu, il était sûr qu'il allait servir sur le corps et au milieu du carré de service. Et s'il le voyait avec la langue légèrement sur le côté gauche de la bouche, il était sûr et certain qu'il allait lui servir le coup droit. Mais ça, c'est juste une information en or de la part d'Agassi, comme quoi. Et ils sont exceptionnellement intelligents, les grands joueurs. Parce qu'on pense que c'est juste des athlètes qui savent courir, frapper dans la balle, mais ils ont aussi un coefficient d'intelligence qui est au-dessus de la moyenne. عبد الرحيم مندر عميد المنتخب المغربي في كأس ديفيس سابقا مستشار ميدي أن في كرة المضرب كان آخر متحدث في عدد اليوم من برنامج استوديو الرياضة للإشارة منافسات بطولة ويمبلدون التي ستشهد مشاركة النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي كان عانى من الإصابة التي أجبرته على الانسحاب من ربع نهائي بطولة رولان غاروس أمام النرويجي كاسبر رود. سيكون حاضرا سيسعى لتتويج باللقب الذي خسره الموسم الماضي النسخة الماضية أمام الإسباني كارلوس أكراس بعد مباراة ماراثونية من 5 مجموعات. كرة المضرب شكلت آخر مواد عدد اليوم من برنامج استوديو الرياضة. أشكركم مستمعين الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة. تحية منا إليكم يعني طاقم إعداد البرنامج مخرج عدد اليوم زميلنا حمزة زميلي محمد عميمي ومحدثكم الحسن جابري. أطيب المنى وإلى اللقاء في لقاء جديد من البرنامج.